Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous parler de la mise à jour 14.30 qui est disponible sur Fortnite. Donc déjà sur Play, elle fait 3 Go et sur PC, elle fait 1,5 Go, un truc dans le genre plus ou moins. Alors, c'est une petite mise à jour, mais voilà, elle apporte quand même des nouveautés et je vais vous en parler tout de suite parce que ben voilà, Fortnite nous envoie à chaque fois au créateur un mail et dans ce mail, ils nous disent quelques petits trucs à propos de la mise à jour assez sympathique. Donc je vais vous lire ça tout de suite. Alors déjà, préparez-vous car Fortnite Cauchemar approche à grands pas. Donc Fortnite Cauchemar, c'est tout simplement l'événement d'Halloween. À mon avis, il y aura déjà peut-être des apparitions sur la map de Fortnite à propos de l'événement d'Halloween. Et il y a déjà des skins et tout ça. Donc à mon avis, ça va pas tarder à avoir un événement Halloween de Cauchemar. Ben voilà, tout simplement, préparez-vous. Il est marqué, préparez-vous le poteau, parce que Fortnite Cauchemar arrive à grands pas. Alors ici, il est marqué à vos marques, prêt, foncé. C'est tout simplement un nouveau mode de jeu qui s'appelle Rally Royale. Donc c'est un mode de jeu temporaire, frénétique, dans laquelle la vitesse et la ruse vous mèneront à la victoire. Ramassez les tickets pour déverrouiller l'arrivée et atteignez-la rapidement pour ne pas finir dans le fossé. Alors Rally Royale sera disponible plus tard dans la semaine. Sautez dans un bolide et dites-nous ce que vous en pensez. Donc c'est un mode de jeu où il va falloir ramasser des tickets pour déverrouiller l'arrivée. Donc ça c'est déjà chelou. Et après il faudra atteindre l'arrivée pour gagner. Donc franchement, ramasser des tickets pour déverrouiller l'arrivée, c'est très chelou comme on s'est dit. Mais voilà, faudra tester, voilà, tout simplement. Je ne sais pas trop à quoi ça va ressembler, mais faudra tester. Et normalement, il arrivera plus tard dans la semaine, donc genre mercredi, jeudi, vendredi, je ne sais pas. Mais ça va pas tarder. Alors ici, nous avons le tournoi de la super série KO Marvel. Alors là, c'est le tournoi de KO Marvel que je vous avais expliqué hier, où vous allez pouvoir gagner Daredevil. Donc il faut savoir qu'il y aura 4 tournois. Le premier tournoi commence demain à 18h jusqu'à 21h. Vous devrez faire 10 parties pour vous qualifier et faire un maximum de points. Donc demain, 14 octobre, à partir de 18h, vous pouvez déjà essayer de vous qualifier et essayer d'arriver dans les 800 meilleurs joueurs de votre continent pour gagner un skin Daredevil exclusif en accès anticipé parce que Daredevil ne sera pas tout de suite disponible dans la boutique. Donc ceux qui gagneront Daredevil auront un accès anticipé sur le skin. Et je pense que le skin, je pense qu'il arrive, je ne sais plus, peut-être dans une semaine ou deux, je ne sais plus. Enfin bref. Donc voilà, si vous arrivez dans les 800 meilleurs joueurs, vous gagnerez Daredevil. Et il y a 4 coupes à faire. Donc la coupe numéro 1, vous gagnez Daredevil. La coupe numéro 2, vous gagnerez un autre skin de Marvel, peut-être, je sais pas moi, Venom. La coupe numéro 3 aussi. Et puis la coupe numéro 4 aussi. Et si vous participez, rien que participer aux 4 coupe de super series KO Marvel, vous gagnerez un planeur nœud du conflit en exclusif. Donc voilà, le nœud du conflit, c'est celui-ci que vous voyez là. Ça, c'est le planeur exclusif que vous gagnerez si vous participez aux 4 coupes de KO Marvel. Donc voilà, en tous les cas, c'est le premier tournoi qu'ils font avec un mode de jeu temporaire. Hein. C'est important de le savoir, important de le dire parce que c'est vrai que d'habitude, c'est des modes de jeu normal. Et là, ils nous font un tournoi sur le mode de jeu KO Marvel, quoi. C'est un truc de fou. Enfin, bref. De toute façon, ça, je vous en avais déjà parlé hier. Et là, la dernière petite chose ici, c'est mise à jour du butin. L'influence grandissante de Galactus dérègle les machines à butin. Alors, je vois pas trop c'est quoi la machine à butin. Je pensais que c'est... au premier abord, moi, je me dis, c'est des distributeurs d'armes. Mais il n'y en a plus. Donc, machine à butin, peut-être... les lamas, je ne sais pas, franchement, mais en tous les cas, ça dérègle. Donc, bien entendu, ça veut dire que Galactus arrive à grands pas aussi. Parce que, la fin de la saison, ce sera le mois prochain, je crois. Hein. Ou c'est ce mois-ci non, je crois que c'est le mois prochain. Donc voilà, il reste 2 mois avant la fin de la saison. Donc, bien entendu, Galactus va arriver.
2 mois, ça me semble beaucoup. Je sais même pas combien de temps il reste avant la fin de la saison 4. Mais de toute façon, Galactus va pas tarder à arriver. Ensuite, les fusils à pompe de guerre sont désormais plus efficaces à toutes les distances. Donc à longue et à courte distance, les fusils à pompe vont faire plus... Enfin, les fusils à pompe de guerre, bien entendu, vont faire plus de dégâts. Donc ça va être peut-être un peu cheaté. Et là, dites-nous ce que vous en pensez et restez attentifs à l'arrivée des nouveaux super-pouvoirs. Parce qu'en fait, tout simplement, hier, quand on a regardé cette image qui nous avait montré de Daredevil, regardez ici, on voit qu'il y a un super-pouvoir, on dirait une boule de feu. Ouais, on pourrait dire une boule de feu, mais on ne sait pas de qui ça vient, on ne sait pas d'où ça vient. Donc voilà, il faut rester attentif à l'arrivée des nouveaux super-pouvoirs, ils disent bien des. Donc il y en aura sûrement plusieurs, enfin, c'est même sûr. Donc voilà, de toute façon... ah oui aussi, la semaine 2 de la FNCS continue ce week-end, ne la ratez pas. Donc vous pourrez gagner des cadeaux en regardant Twitch, pour les drops Twitch de Fortnite. De toute façon, je vous tiens au courant pour toute l'actualité et toutes les nouveautés de Fortnite. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Swordful Mec et ciao. Peace. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy.